Donc la pêche au carrelet, en brière, c'est le même principe hein, que les petites pêchées que vous pouvez retrouver en bord de mer. Vous plongez le filet dans les eaux de brière et le remontez énergiquement de 300 à 700 mètres. Et grâce à la pression, les larves, les œufs sortent et les anguilles meurent après avoir pondu leurs œufs. Donc les plus grandes anguilles hein, qu'on peut trouver, bien souvent, ce sont des anguilles femelles qui dépassent 45 cm. Donc entre 45 cm et 1 mètre, souvent il s'agit d'une anguille femelle. Les anguilles pâles mesurent entre 30 et 5 cm. 30 et 45, je ne sais pas si vous aviez bien entendu. Est-ce que la pêche est miraculeuse, messieurs? Non. Ah ouais, mais on n'est pas dans le bon créneau horaire non plus, c'est capricieux. Donc vous pouvez avoir une autre technique de pêche. La pêche à la fouine. Donc voilà, c'est une sorte de harpon qu'il faut planter dans la vase. Donc ce harpon est équipé de 4 à 5 dents, suivant le gabarit, le format. Donc c'est une technique particulière, hein. Et puis il faut avoir de la corne dans les mains, parce qu'il faut remonter inlassablement le manche de ce harpon. Et il faut bien planter dans la vase pour remonter les anguilles.